et des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Tiens-toi. Bonjour. Ouais, Cobra, il dit qu'il revient, il fait pas de vidéo pendant un mois, mais il était où? Ta gueule. D'accord. Le délire, jusqu'à maintenant, c'est que je n'avais point de caméra. Enfin, j'en avais une, mais elle marchait pas. Elle buguait tout le temps. Ou ça se trouve, ça venait de la carte SD, je l'ai changée pour rien. Du coup, là, si ça bug, je fonce à Leclerc racheter une carte SD. Ça me ferait grave chier, en vrai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, elle va parler de quoi, cette vidéo? Du code de la route. On va faire, toi et moi, c'est pas parce que la Saint-Valentin s'est passée qu'on se rapproche tous les deux. Du coup aujourd'hui on va aller sur Google et on va faire les petits pigeons qui n'ont pas d'argent, qui pensent que ça marche vraiment de faire ça, alors que les questions entre toi et moi entre toi et moi, les questions sur lesquelles on va tomber, c'est pas vraiment les vraies questions du code de la route, mais j'ai la flemme de faire un truc payant sur internet ou de tout simplement prendre la caméra et de vous emmener à la salle de code là-haut en ville, tu vois. On va marquer code de la route gratuit, qui n'ont pas d'argent. Et là, boum, t'as plein de trucs, t'as plein de questions, et on va faire ça tous les deux. Histoire de voir si toi et moi, non, j'ai dit pas de rapprochement, on répondrait les mêmes choses. Sachant qu'un petit conseil, je sais très bien que vous êtes plusieurs à passer le code de la route en ce moment, puisqu'on va dire que le début d'année, c'est la saison. Moi, mon anniversaire, c'est le 25 avril. Je passe le code de la route, 25 avril, 18 ans. Le permis, et cet été, la voiture. Une voiture en été. Mais quel bonheur. Bon, bref, on va cliquer sur celui-là. En cas d'incendie, l'habitacle d'une... Ah oh ouais, d'accord, tu cliques sur le site, elle répond direct. C'est en cas d'incendie, l'habitacle de la voiture, nana, flèche gauche-droite clignotant en haut bas. Conducteur depuis deux mois, je suis en infraction si mon taux d'alcoolémie est de 0,1 g d'alcool par litre de sang. Réponse A. 0,2 g d'alcool par litre de sang. Réponse B. 0,3 g d'alcool par litre de sang. Réponse C. Hein? C'est quoi la question? Ah, parce que j'étais concentré sur autre chose. Conducteur depuis deux mois, je suis en infraction si mon taux d'alcoolémie est 2. Attends, c'est combien déjà? C'est 1 ou 2 temps écoulé. Hein? Merde, y'a du temps! Ça bug! Oh! Vous faites des questions, votre city bug! Arrête! Eh hey, oh, oh, oh. Ouais, tu... Je peux dépasser. Oui, réponse bah non, t'es A. Non, réponse B. Eh, une voiture, il y a 50 000 voitures à ta gauche, c'est pas parce qu'il y a les pointillés au milieu. 15 minutes, réponse B. 4 minutes, réponse C. Moi, je dirais 4. On sait pas les réponses. Mon véhicule est équipé du système d'appel d'urgence automatique. Ah, je sais pas s'il est vraiment équipé. En cas d'accident, celui-ci est géolocalisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, je pense que oui, même les si je connais rien. Les secours sont automatiquement appelés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vas-y, je vais mettre oui, oui. Non, en vrai, je sais pas, leur nouvelle technologie chelou, là. Pff, moi, j'ai une Twingo des années 20. Tu m'excuseras, il y a même pas le GPS intégré. Alors, quand même. En cas d'incendie dans un tunnel, ouais. Je me dirige vers la porte. Numéro 1, réponse A. Bah, oui. Numéro 2, réponse B. T'es con ou quoi? Tu vas pas appeler quelqu'un? Tu te vois, il y a le feu dans le tunnel. Tu vas à la porte numéro 2. Allô, oui, maman? Oui, c'est pour te dire qu'il y a le feu dans le tunnel. Non, je suis encore dedans, mais il y a le feu, hein. Quoi? Ah non, c'est juste mon pied qui brûle. Eh, ta mère, tu vas numéro 1. Pour consulter ma messagerie, je m'arrête sur cet emplacement. Non. Oui, réponse A. Bah ouais, non, tu peux. Réponse B. Trois, tu peux, hein. J'en sais rien. Sur une voiture à boîte automatique, la position, N dispense de serrer le frein à main. N? C'est quoi ça, mon frère? Ouais, le frein à main, il est derrière le levier de vitesse, il est pas dessus. Eh, les voitures du futur, j'y comprends rien. Tu vas passer tes vitesses, il va y avoir un barbecue dans le coffre qui va sortir, tu vas faire... Ah! C'était nul. Zone à droite, je passe avant le cycliste dans le cas numéro 1. Non, 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 tu vas te manger la factrice. Enfin, je sais pas si c'est un facteur, mais c'est pas grave. Dans le cas numéro 2. Il y a quoi qui change entre les deux cas, sérieusement? Ah ouais, il y a la ligne truc. Ouais, non, non plus. Tu vas la tuer. Je dois céder le passage à gauche. Ouais. Oui, réponse A. Ouais. Parce que non, c'est les pompiers. Réponse B. Et les pompiers, toujours. Tu t'entends, tu regardes partout, rétroviseur, nanana, nanana. Si tu peux, t'ouvres ta fenêtre, tu cries, est-ce qu'il y a les pompiers devant? Pour voir s'ils sont pas devant et s'ils sont derrière. Rouin. Coup de volant, tu décales, ils passent et c'est bon. Ah, c'est comme ça, désolé, je dis la vérité.
un kit main libre de type oreillette. Ouais, en fait ça me saoule. L'autre jour j'étais au code de la route tranquillement dans la salle et tout. Alors là il y a les questions qui défilent, tout le bordel, tu connais. Et d'un coup, je vois quoi comme question? Genre au code de la route, ils m'ont posé la question: est-ce que une personne avec un vélo de type vélo, tu pédales. Aïe. Peut rentrer dans un tram avec. À ce moment-là, mon cerveau est tombé. Hein. Ah, j'ai ramassé, j'ai rouvert rien dedans. Ils ont posé la question: est-ce qu'un vélo peut rentrer dans le tramway? Au code de la route, j'étais perdu. Je me suis dit, ouais, mais non. Enfin, non. Moi, je suis là pour apprendre des voitures, pas des tramways. Je comprends pas. Et moi, comme un connard, je fais quoi? Je prends la télécommande, parce que oui, t'as une télécommande au code. Je réponds quoi? Bah, non. Parce que moi, j'ai déjà pris le tramway, tu vois. Je suis pas un clochard. Genre, je me trimballe pas en patinette, je sais pas où. Enfin, ça m'est déjà arrivé de prendre plein de fois de prendre le tram et j'ai pas vu de vélo. Donc peut-être à ce moment-là, les gens avaient pas envie de faire du vélo. Mais je me suis fait baiser. Donc, si un jour vous tombez sur cette putain de question, est-ce qu'un vélo peut rentrer dans le tram? Eh bah, sachez que la réponse, c'est oui. C'est oui, mon gars. Un vélo peut rentrer dans un tram. Alors, je sais pas vous si vous prenez le tram des fois ou même votre vélo pour rentrer dans le tram. Dans ce cas-là, allez vous faire foutre. Non, mais... On dirait, des fois il y a des questions au code de la route pour ceux qui le passent. On est d'accord, c'est ultra chelou. J'en sais rien, j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête. Un petit conseil pour ceux qui le passent ou qui vont le passer bientôt: toujours penser sécurité. Toujours. Les gars, je marque image, code de la route. Je tourne à droite à l'intersection. Je dépasse le cycliste, je lui fais signe de passer. Sachant que là, ça se voit qu'il veut pas aller à droite puisqu'il regarde à gauche en mode est-ce que je peux traverser. Avant de passer, t'attends que lui il passe. Maintenant que j'ai des potes qui ont des voitures et tout, que je traîne avec. Waouh, les piétons ont fait n'importe quoi, tu vois. Moi quand je vais avoir la voiture, je sais, je vais en insulter plus d'un. Genre lui, je sais très bien qu'il va mettre 2 heures à passer le temps que d'attendre les autres là qui arrivent à gauche. Il va tracer au moment où je vais vouloir y aller. Alors que j'aurais dû attendre, mais je suis pas patient. J'aurais dû attendre que lui il passe pour y aller. Mais là, si tu y vas en même temps que lui, boum, tu le shootes. Dans le passage, laisse passer le cycliste. Imagine, mon gars, tu passes juste le permis sans le code de la route, tu connais pas les panneaux. Ah bah là, le vélo, c'est pareil. Une deuxième fois. Encore un, merde. Tu le shootes, lui. Lui, là, tu le dégommes sa mère. Le panneau, pareil, je vous apprends des trucs, même si moi, je connais déjà, tu vois. La ligne blanche, la flèche blanche, là, à droite. Normalement, c'est à toi d'y aller, mais lui, comme il est déjà engagé... Bah tu peux pas y aller, sinon ça le shoot. Là vous allez me prendre pour un psychopathe, le gars qui aime bien shooter des vélos. Même si avant je me trimballais tout le temps en vélo. N'hésitez pas à me donner des idées, des sites, des conneries, tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye, peace. As I travel this lonely gangsta road, just me and my Negro. We still got bum hydro. We just doubling it in the night falls. That's when young girls go home.